Ça fait 2 ans qu'on travaille sur ce projet. On a pris des élèves de 4e la première année. Donc, ils ont découvert plein d'endroits différents autour de l'art contemporain. Donc, des galeries, des ateliers d'artistes, des musées. Ils ont construit une exposition, ont eu la chance d'exposer au FRAC. Et ensuite, cette année, ils se sont mis dans la peau d'un commissaire d'exposition pour vous présenter l'exposition qu'il y a ici. Voilà. Ceux qui ne savent pas, le FRAC, on en parle beaucoup, mais qu'est-ce qui se cache derrière ces 4 lettres ? C'est le Fonds Régional d'Art Contemporain. Donc vous pouvez venir nous voir, en effet, dans nos nouveaux locaux dans le quartier de la Joliette. Et le mot fonds, c'est pas pour rien, puisqu'on a une collection d'un millier d'œuvres. Et cette collection, contrairement à un musée, elle ne reste pas dans ses réserves. Elle est dédiée à la circulation sur sa région. Donc c'est bien ce qu'ont fait les élèves, c'est qu'ils sont servis comme une boîte à outils de cette collection pour aller piocher et piocher des œuvres à l'intérieur. Il y a eu des coups de cœur, il y a eu des coups de gueule, on a eu du mal à avancer. Mais ça s'est fait, on s'est questionné, il y a eu des débats. Et puis on s'est posé la question aussi de l'accrochage. À quelle hauteur on allait mettre les œuvres pour que vous allez les regarder? Qu'est-ce qu'on allait pouvoir donner comme petit clin d'œil ou comme coup de pouce en plus pour que vous alliez avoir une lecture de l'œuvre comme nous on l'avait eue, ou en tout cas ouvrir ou donner d'autres propositions, ouvrir à d'autres questions? C'était les élèves de 4e, 3e, donc dans un collège après la 3e, les élèves en seconde, donc quelques élèves sont partis. Cette année, ils étaient 6-7 à terminer le projet. Et ils sont là, donc à côté de moi. Cette exposition va durer 6 semaines. Ça me paraît extrêmement important qu'avec l'établissement, nous menions ce type de projet pour pouvoir faire venir les parents, partager des moments comme cela, avec toujours les objectifs qui sont évidemment les objectifs de l'école. On a choisi les œuvres. Ça veut que elles concernent un peu notre avis personnel et ce qu'on aime le plus dans l'art, tout comme ça. Là, je vois par exemple une exposition sur le mur de papillons. Est-ce que tu peux m'en parler ? Oui, en fait, ça a un rapport avec ce qui est derrière moi. Et c'est d'un artiste qui, en fait, il prend ses PV et il les découpe et il en fait des papillons, en fait. Et nous, on en fait pareil avec nos PV à nous, mais en fait, nos carnets, nos heures de colle, nos observations, en fait. On a voulu faire comme lui, mais avec nos PV à nous, vu qu'on ne travaillait pas, qu'on n'a pas de voiture. L'œuvre qui est représentée, c'est Olivier Grostet qui l'a fait, en fait. Et il a présenté une femme qui se noie dans l'eau. On voit que sa main, en fait. On voit qu'elle est en train de sauver les vers et en fait, elle se noie. Et ce qui veut dire que dans cette œuvre, Olivier Grostet, il veut dire que les femmes sont moins importantes que les objets. Et j'ai pris sur Internet des pubs. Comme quoi on montre la femme à chaque fois, en fait. Exemple pour la cuisine et tout, on montre tout le temps la femme. Je suis contente de ce projet organisé par le collège Stéphane Mallarmé. Et surtout que l'année dernière, c'était des séances chaque jeudi au FRAC. C'est une richesse, c'est juste une richesse, c'est magnifique. Et je pense que les enfants, ils ont appris quelque chose déjà, et ils se sont vraiment épanouis. Je m'attendais à ce résultat, mais je suis quand même impressionnée. Je suis quand même impressionnée, c'est magnifique. Comme on voit, il y a maman je te, et la première chose à quoi on pense, c'est maman je t'aime. Mais en fait, si on pense bien, on peut accoler plein d'autres verbes. On peut mettre maman je t'emmerde, maman je t'arrête, maman je t'arrache, je t'arnaque. Ça dépend de la relation qu'on a avec notre mère, qu'on pourra avoir avec notre mère. Pourquoi avoir choisi une arme ? On l'a choisi parce que une arme, au début, normalement, c'est ostentatoire, ça montre la force, ça montre tout ça. Mais maintenant, comme c'est devenu une arme en carton, ça nous montre que l'arme elle est fragile parce que c'est une matière fragile, le carton. Et aussi, c'est esthétiquement beau. Et s'il y aurait eu des armes en carton, il n'y aurait pas eu tous les meurtres qu'il y a eu. On a été très exigeants. Le travail de commissaire d'exposition, ça demande de l'investissement. Ils ont été très assidus, très motivés, surtout sur la fin du projet. Et oui, je suis très fière de leur parcours et je les sens vraiment grandi. Et c'est devenu des professionnels de la question, en tout cas aujourd'hui. Maintenant, je partirai plus vers un musée que vers un cinéma. On est fiers un peu. Que les gens ils viennent voir nos œuvres et tout. Ça m'a appris en fait comment regarder les œuvres. Par rapport à moi, je les regardais, mais je ne trouvais pas de sens. Maintenant, oui. Le Clos, c'est un quartier dont on a beaucoup parlé. On y habite, on y vit, on y travaille.
on aime ce quartier, mais on n'était jusqu'à présent pas très fiers d'en parler, vu ce qu'on a connu et entendu ici. Aujourd'hui, c'est les jeunes qui amènent la culture dans notre quartier. Il faut vraiment en être fiers. Parce que ce soit ces projets, le projet de ludothèque et d'autres projets, ben, ces espaces-là, en fait, étaient un peu abandonnés et les habitants, les élèves et tout l'ensemble du tissu associatif se mobilisent pour que ça devienne des lieux vivants. Je pense que le bâtiment 41, c'est le symbole du changement. C'est vraiment le symbole du changement. Ça nous a fait plaisir à pas mal de mamans que l'exposition se fait dans ce lieu spécialement. Ça change. Ça change l'image des gens parce qu'il s'est passé beaucoup de choses au couloir et ça change leurs images dans leur tête en fait. Tout ce que eux, ça leur a apporté, je pense qu'ils ont envie de le redéployer autour d'eux et dans le quartier du collège, je pense que ça a vraiment du sens pour eux, pour nous. Ouais, je pense que c'est très important. Je suis fière de tout ce qu'on a fait, de moi, de mes camarades et tout. Et en plus, dans un quartier qui n'a pas vraiment une bonne réputation quand même. Ben voilà, ça va un peu, peut-être ça va un peu changer l'image. On n'a pas fait tout ça pour rien quand même, j'espère. Je suis très fière de vous parce qu'on a été très exigeants avec vous. Nous aussi. Et je sais que ça n'a pas été facile, mais on y est arrivé et vous avez vu ce beau résultat. Je suis vraiment très contente. Merci à vous tous. Oui.